En prévision de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre prochain, une journée de sensibilisation était organisée hier dans le métro à la station Lhomme-Lambersart. Le but, expliquer et présenter aux femmes victimes de violences de toutes sortes comment se défendre. Plusieurs associations étaient présentes, le CIDFF, Femmes Solidaires, et chaque personne s'est vue remettre dans la journée un pins ruban blanc et de la documentation. Aujourd'hui, en cas de violence, l'un des problèmes majeurs reste en fait l'absence de réaction et de solution pour les victimes, même si le tabou est encore très présent. Comme l'explique notamment Claudie Morel de l'association Femmes Solidaires, rencontrée par notre reporter hier sur place. La situation ne s'améliore pas. On s'aperçoit qu'il y a autant de femmes en souffrance, mais maintenant les femmes en parlent, grâce peut-être à aux différentes associations. Et les femmes en parlent plus et on accueille beaucoup plus de femmes maintenant qui viennent parler de leurs problèmes de violence. On les écoute. Souvent les femmes ont besoin de parler et même ici dans le métro, elles se confient et on les écoute et on les informe de leurs droits.